pas, c'était surprise pour moi. Je ne m'attendais pas. Et là, mon voyant, là, elle avait l'élève là, d'accord. On est là, Jésus. Grâce à Jésus. Le Seigneur est toujours fidèle. Après ton lien de toi là. Puisque c'est lui-même qui est devant la mission. Et si toi il est tombé à encore. Et il nous a conduit. Et promis. Et que ton son esprit a été avec nous. Et bon, arrive après. Et il a levé un des hommes. Pour le salut des âmes aussi. Là, le voyage de l'époque. Le Seigneur nous a aidé dans la mission. Après ton premier qui est tombé à partout où nous avons été. Après ça, il est les âmes qui ont été assoiffées de la parole de Dieu. Nous voyons les morts, et pendant nos sorties d'évangélisation, c'est les morts, surprise. Et les âmes ont accepté le Seigneur. Le bon appelle toi Jésus. Et les bons nombres d'entre eux se sont donnés au Seigneur. Amen. Qu'est-ce que comment le peuple de Dieu de la Dieu se porte? Voilà. Le peuple de la Dieu se porte. À se connaître, les bienheureux se portent très bien. Les sœurs, à Djégré également, le peuple de Dieu se porte très bien. Et à Djégré, on voit les lorsqu'on a été à Djégré, pendant nos sorties d'évangélisation, j'ai rencontré un jeune homme. Et le Seigneur m'avait mis à cœur de lui parler. Et après toi, tu as été Djégré dans le même groupe. J'étais avec une bien-aimée de là-bas. Lorsqu'on l'avait approché, on lui avait parlé, présenté le Seigneur Jésus. Mais pour mon ami, il a fait ton soutien. Le jeune homme n'a jamais été à l'église. Il ne connaissait rien du Seigneur. Mais il n'a rien que pour l'appétence. Il a accepté la parole. Son lieu de résidence était loin du lieu de culte. Nous l'avons invité à cette soirée de prière et il était venu. Et le lendemain, il est passé aux eaux du baptême. Et le Seigneur a gagné. Maintenant, actuellement, il fait partie des membres. Alléluia. Amen. Et au Kara aussi. Les Karaï. On vient reçu la parole. Lorsque nous avons fait notre sortie, notre seconde sortie d'évangélisation, et le même jour coïncidait à la veillée de prière. Et vraiment, nous avons invité bon nombre de personnes. Nous leur avons promis d'amener leurs malades et autres que le Seigneur est prêt à les guérir. Mais à cette soirée-là, il y avait une pluie inattendue qui avait fait que les gens n'étaient pas venus. Mais moi, par la grâce, j'avais invité une jeune fille aussi. Elle était venue, mais à cause de la pluie, elle était trompée de lieu. Donc, elle n'a pas pu retrouver le lieu du culte. Et le lendemain, je l'ai encore abordé. Et il m'avait conduit là où nous étions logés. Et donc nous avons encore parlé un peu avec lui. Et nous l'avons invité aux soirées de prière. Donc elle était aussi venue. Alors qu'elle était membre des assemblées de Dieu. Et elle a aussi accepté le Seigneur. Et le dimanche, lorsque nous étions partis, je lui avais écrit, elle a été au culte avec moi. Donc actuellement, elle aussi fait partie de la cellule de Kara. Donc,
La localité est où ça C'est les échos de la mission à l'intérieur du pays. Acclamation faite dans le trou. Pour exprimer notre joie. Le Dieu qui est le Dieu fidèle. Alors avant de parler, je vais proclamer le verset 15. Je proclame la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel et dit. Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui nous a sauvés. Il est notre Dieu. Lui, c'est le prénom. Il est le Dieu de notre Père. Je les appelais. L'Éternel est un vainqueur. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ces combattants de l'île ont été engloutis dans la mer rouge. Le flot les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu envers tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle est consume comme du chaud. Au sud de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivais, j'attendais, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée. Ma main l'est détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La main les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux? Oh, l'Éternel. Qui est comme toi? Magnifique en sainteté. Qui te louange? Opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit. Tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers les demeures de ta sainteté. Le peuple pleine. Et il tremble. La terre s'empare des Philistins.
Amen. 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 Ainsi j'ai proclamé la parole de Dieu. Peuple de Dieu. C'est une grande joie. Une immense joie. Une joie que on manque de mots pour exprimer. S'il y aura que la littérature va créer encore un autre mot plus fort que la joie. Alors là, on va se servir de ça pour purifier le Seigneur. Vraiment, notre Dieu est fidèle. Et rappelez-vous, avant notre débat, notre dernier dimanche, le Seigneur a tracé le chemin devant nous. Et il a confirmé. Et nous avons quitté ici, mardi. Et nous sommes descendus à Soukouré. Père de Dieu, avant on a fait un programme. Le programme qu'on a fait, on devait descendre à Djengré. Mais le Seigneur nous a inspiré. Et nous a inspiré de descendre premièrement à Soukouré. Pourquoi? Parce que c'est la capitale de la région centrale. Malgré que Adjengre aussi fait partie de la région centrale. Et nous sommes descendus aux environs de 14h à Soukouré. Et les bien-aimés de Soukouré étaient venus à notre rencontre pour nous amener là où nous a réservé. Et on était partis là-bas. Et on a prié. Et déjà le combat commence. Dès qu'on a foulé notre pied sur le sol de Soukouré, le combat a commencé. Avec notre portable. L'ennemi a commencé à bloquer le portable. Parce que nous sommes en train de filmer. Et vous allez constater que on n'a pas balancé l'image de notre proclamation. Et c'est l'ennemi qui a commencé à nous combattre comme ça. Et on commençait à proclamer, les gens nous regardaient. Comme c'est un parti politique qui est venu faire la marche. Il y a certains cohabits aussi qui sont là-bas et nous regardent. Mais nous on faisait ce que le Seigneur nous a ordonné de faire. Malgré que l'ennemi a bloqué un peu le portable, quand même les cieux encore tracé le chemin devant. Et on a commencé l'œuvre à Soukouré. La veille de prière. Et je rappelle que c'est un peuple vraiment très engagé. Très engagé. Et vraiment, nous sommes réjouis de leur mobilisation. Alléluia. Amen. Même depuis l'Amérique, les gens me suivaient à Soukouré. Amen. Amen. Ils nous appelaient pour nous fortifier. Amen. Amen. Et on a commencé le premier jour. On était parti aussi évangéliser dans les rues de Soukouré. Mais il va de Dieu.
La majorité, c'est les musulmans. Qu'on est descendu là-bas pour prêcher, pour sonner, arrivé à un moment où le Saint-Esprit même nous a saisi. Alléluia. Amen. Et les musulmans nous regardaient seulement. On était partis juste face à face comme ça. Ils n'ont rien dit. Mais la surprise que le Seigneur nous a réservée, il y avait une dame, une vieille en fait. Elle est musulmane. Et arrivé un moment, le Saint-Esprit a conduit l'homme de Dieu vers cette vieille-là. On échangeait avec la vieille. Et la vieille nous fait savoir que en fait, elle n'est pas musulmane. Elle a parcouru beaucoup d'églises. D'église en église. Mais on n'a pas trouvé ce qu'elle voulait. Mais quand elle a écouté le message, automatiquement, elle a confessé Jésus. Parce que quand elle a écouté le message, le Saint-Esprit l'a saisi. Parce qu'elle cherchait ça. Elle s'est tournée. Elle a confessé Jésus. Alléluia. Amen. Et arrivé un moment, à la fin même de l'évangélisation, je ne sais pas ce qui s'était passé. Je ne voulais pas encore prendre le micro comme j'avais évangélisé de l'autre côté. Au carrefour, là où se trouve l'homme de Dieu, sont en train d'évangéliser. Il y a seulement quelques minutes que nous allons clôturer. Je ne sais pas ce qui m'était arrivé quand j'ai pris le micro. C'est comme un feu. C'est comme les activités ont cessé. Moi-même, je ne savais pas ce que moi-même je faisais. Je suis en train de parcourir seulement les rues. Les voitures, les motos. Tout le monde me regardait. Il y avait eu un silence au milieu. Et c'est à la fin que je me rends compte que quelque chose qui se passe. Alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, à Sokoré toujours. Dans les soirées de prière, le Seigneur a opéré beaucoup de miracles. Et la grande miracle que le Seigneur lui a opéré, le Seigneur a lui a délivré une dame, une vieille de l'esprit de mort. Et dans leur famille, la sorcellerie bat son plein. Alléluia. Amen. La sorcellerie bat son plein. Ce qui fait que le dernier jour, nous allons quitter à ce le jour où nous allons quitter, on a fait notre bagage. Alléluia. Amen. C'est là que le Saint-Esprit a encore inspiré l'homme de Dieu. On était parti faire encore la prière. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'on a découvert beaucoup de choses. La sorcellerie a pris en otage toute la famille. Et quand on a commencé la délivrance, tous ceux qui sont associés dans la famille, ils sont venus. Trois hommes, ils sont venus. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu, ce que nous disons ici comme de l'amusement, c'est un combat. C'est un combat. Et ces sorciers nous disent que notre sorcellerie est plus grand que leur sorcellerie. Le Saint-Esprit, comme un feu.
feu. Elle a bon mot de signe dans mon cœur. Le feu là, elle est puissant que le feu. Mais avec toi, elle le roule toi. Amen. Alors là, on va leur donner notre feu, dit non. Elle ne veut pas notre feu. Il y a la terre de toi là, on va enlever le feu. Recevez notre feu pour augmenter notre feu. Gardez votre feu. Elle ne peut pas en tout détruire dans la famille. Et maintenant, ils n'ont pas de l'argent encore pour rétablir les choses. Peuple de Dieu, vois ce qui se passe. C'est un grand miracle que le Seigneur a eu à opérer. À secourir. Le secourir va nous manger. Depuis octobre, il n'y a plus la pluie à Sokoli depuis octobre. Depuis octobre, la pluie a cessé à Sokoli. Et tu tombes déjà le octobre de mars. La pluie a cessé. Et tu tombes. La pluie a cessé. Et tu tombes. Vous avez compris, non? Mais c'est comment alors? Depuis octobre. Tout octobre, il n'y a plus la pluie. Et tu mets dans les champs. Jusqu'à 2023. Jusqu'au dernier jour de notre réveil à Sokoli. Tout juste après le culte. On était rentré. Après le culte du dimanche à Sokoli. Le culte de faire des missions à Sokoli. On était rentré. Et la première pluie a commencé. Alléluia. Le Seigneur a envoyé la première pluie. Après quand on est dimanche. Lundi, la pluie a repris encore. Mardi, notre départ, la pluie a, les nuages ont encore commencé. On a dit Seigneur, aie pitié. On est rentré à Djégué d'abord. Est-ce que nous rentrons à Djégué? Et on est parti. Alléluia. Amen. Et nous sommes rentrés à Djégué. Feu de Dieu, ce qu'on n'a jamais vu, c'est ce qu'on a vu à Djégué. Même à Djégué, même dans toute la ville à Djégué, la société passe au plein. Même les enfants, les vieux, la société à Rodouce. Et c'est par là qu'on a rencontré même les sorciers. Ils ont soulevé le vent contre nous. Le vent il a plu. Et c'est un combat terrible. Et c'est là-bas qu'on a fait les prières de feu. Les prières dangereuses. Et le retour à l'envoyeur. Sorcière venu parmi nous. Il est là. Elle est. Il envoie. Elle est terre. Sa flèche. Elle va en trop. Il envoie. Elle est terre. Le vent contre nous. Aïe, la poussière contre nous. Le combat. Ah, va. Les intercesseuses. Il n'y a pas de problème. Je disais que le peuple de Sokoli. Ils sont descendus à Djingli. On va à Djingli. La femme intercesseuse. Qu'elles sont derrière avec notre bien-aimé intercesseuse Djégué. Derrière le peuple de Dieu. Il fallait voir ce qui se passait. Alléluia. Amen. Maintenant que le Seigneur est là, ils vont essayer. Ils ont essayé. On a vu la puissance. Mais il y a de la limite. La puissance. Alléluia. Amen. Ils se sont soulevés. Et ils ont commandé le vent contre nous. Pour nous disperser. Pour détruire. Le réveil a duré. Mais le Seigneur il est victorieux. Alléluia. Amen. Et quand on était sur le terrain, on a eu une révélation. Le Seigneur nous a alerté d'un piège. Après toi, l'ennemi tend.
Monsieur Pierre Junon ne savait pas ce qui arrive. Et quand on était dans la soirée de prière, il y avait une table. Elle est malade. Elle est gravement malade. Elle est allée bébé. Mourante. Il on ne savait pas. Elle est là parmi nous. Elle est bientôt. Couchée à côté. Non, là, on ne savait pas que c'est une maladie. Jusqu'à ce qu'on a fini la prière du soir. Elle était partie à la maison. Et c'est par là qu'on a reçu un coup de fil. Que la maladie qui est venue, elle est mourante. Elle a perdu du souffle. Peuple de Dieu. Rapidement. Le Seigneur nous a inspiré que celui qui a amené la maladie qu'elle soit évacuée rapidement à l'hôpital. Rapidement à l'hôpital. Parce que il y a la grande délivrance ou bien la grande veille qui est devant. Et le but. Et c'est le piège ça. Sinon, si arrivait que cette dame meurt là-bas, alors on va vous donner l'annonce ici que les missionnaires sont enfermés en prison. Peuple de Dieu, alors nous parlons. La malade, elle est vivante. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est ce que l'ennemi a lancé contre nous. Mais le Seigneur a débloqué cette piège. Le Seigneur est un vrai combattant. Tant que c'est lui qui nous a dit d'aller là, il ne va jamais nous laisser. Alléluia. Amen. Pour que l'ennemi détruise notre mission. Et on a fait notre veillée de prière. On a fait notre culte. Alléluia. Amen. Et l'eau du baptême aussi. C'est bien. Rentrer dans l'eau. C'est bien, Seigneur. C'est pas payer seulement. Tu dois recevoir l'autorisation à la police. Recevoir l'autorisation chez le chef. On va te délivrer papier. Caché. Et tu paies 5 000. Même s'il y a 2 personnes pour aller au sol de baptême, aller payer 5 000. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est l'homme qui a créé l'eau? Mais là-bas, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a pas de sécurité. Les gens se servent de cette eau pour faire leur jardin à côté. Donc là-bas, il y a sec à côté. Mais baptême, vous voyez? Quoi? Je rappelle pour secourir l'eau de je disais qu'il y a pluie à pluie, n'est-ce pas? On a parcouru presque 35 km, je pense. Pour aller au jour du baptême. Dans un quartier qu'on appelle Sabadaï. Qui connaît là-bas. Mais de Dieu, là-bas, là, c'est une grande rivière. Il n'y a plus d'eau. C'est sec. Mais quand c'est dans le plan de l'Éternel, il le réveille à ce moment-là. Il le baptême. Ce sera quand même là réservé une portion d'eau. Il est grand, il est clair. Il a plus d'eau, c'est sec. Mais le Seigneur a réservé au moins
voir portion d'eau. Voir à peu près bleu et vide de notre niveau ici. Il que d'eau et que les deux miens à moment à la porte. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui a fait ça. À côté, oui. Et c'est merveilleux. Et où nous allons. Et voilà notre mission à Dingré. Et il y a un peu de Dingré. À préfet. Et on est monté. Et oui, il y a. À Kara. Kara. Alléluia. Amen. Et on est monté à Kara. Yemi et Kara. On était parti à Kara. Yemi Kara. Pour faire trois jours. Et là-bas aussi. Et la pimana. Ce que l'ennemi a réservé pour nous. Mais que pour toi, t'as l'ordre. C'est ça que le diable vient de mentionner. Eh ya et diable bloqué. On était descendu au marché. On a évangélisé. Les gens nous ont promis. De venir. Oui, papa. À la veille. Pourquoi on promet vraiment que nous sommes en joie. Que vraiment la salle, vraiment, ne peut pas supporter. Voilà, la salle ne peut pas supporter. On est en train de chercher le second plan, le plan B. Et voilà. La veille doit commencer à 18h. Là, exactement, le moment où vraiment les gens doivent venir. C'est ce moment exactement que l'ennemi a lancé le vent à pluie. Pour empêcher des gens de venir. Alléluia. Amen. Et vraiment, il a réussi. Les gens. Ils se sont préparés, mais la pluie les a empêchés. Alléluia. Amen. Mais quand même, le Seigneur a fait son œuvre. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a opéré aussi de grands miracles. Et de grandes délivrances. À tout grand. À Kara. Alléluia. Amen. Ce qu'on n'attendait même pas. C'est ce que le Seigneur a fait. Et amen. Amen. Et comme le Seigneur a tracé le chemin de moi, vraiment le Seigneur a manifesté sa présence. Il a manifesté sa fidélité. Il a déployé l'armée céleste. Ils ont combattu. Alléluia. Amen. On a vu sa puissance, sa grandeur. Comme c'était en Égypte. Amen. 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 Le Seigneur a fait beaucoup. Jésus, c'est le Seigneur qui va clamer où?
discutent sur de loin d'adoration, de remerciement, en l'honneur et d'assaut de grâce, en l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça veut dire que tu ne dois pas être fatigué d'acclamer tout Jésus. Nous voulons entendre tout à l'heure que l'ennemi a monté un coup d'enfermement. Tu vas acclamer jusqu'à te déchirer. Parce que ce que Jésus-Christ a fait. Les mots vraiment ne sont pas. On pense, on cherche les mots dans le français. Mais je ne le trouve pas. Dans laquelle le réveil est venu au Togo. La date a été reportée plusieurs fois. Ce n'était pas plus hasard. Non. Ce n'était pas ma plus hasard. Non. C'était les manœuvres du monde des ténèbres. Oh, ils ont vu le feu. Et ils étaient tous paniqués. Si jamais nous laissons ce feu, c'est la frontière de l'Isio Togo. C'est fini pour nos affaires. Ils ont tout fait. Mais le feu est venu quand même. Le feu est rentré ici en Israël. Depuis des mois, le feu est présent. Et voici le feu là. Mais ils ont cru que ça allait s'arrêter à l'ombre. Doucement, c'est à l'état là. Il y a quelques hommes parmi vous. Qui vont se rappeler de tout ce qui s'était passé avant que les serviteurs de Dieu les arrivent n'aillent à Kara. Ce n'était pas du tout facile. Mais le feu est quand même allé. Mais il y a encore beaucoup de régions. Que ce soit à l'intérieur ou au nord du pays. Qui ne sont pas encore atteints par le feu. Et au nom de ces régions, nous avons les bien-aimés qui sont là, Chamba. Ou les bien-aimés qui sont là, sont là-bas. Qui sont assoiffés de voir le feu venir. Mais le Seigneur Jésus, ce programme duquel je vais nous lancer, ce programme est établi depuis. Mais le Seigneur a dit d'attendre. Et quand les temps ont été accomplis, il nous a donné le feu vert de partir. Mais pour démarrer, l'ennemi. Pour toi. Le feu vient. Qu'est-ce que nous allons faire? Le feu vient. Ils sont en train de venir. Comment ça se propage? On voit ça de loin. Mais pas les
s'approcher de leur village. Ils ont mobilisé toute leur puissance, tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais tout a échoué. Ils ont déjà dit l'essentiel tout à l'heure. Dans chaque région, l'économie mobilise ce qu'il peut faire. Et c'est le moment de bénir le Seigneur Jésus pour la vie du frère Josias. Que le Seigneur a utilisé pour faire le relais des informations. Tu acclames Jésus. Si tu vas dehors, si dehors ça marche, alors tu es à la maison, il y a un problème. Est-ce que tu peux rentrer? Tu vas rentrer. Donc, le Seigneur a assuré à toi la base ici. Et le Seigneur a utilisé à guider son serviteur, le prophète Samuel, pour que ta base soit maintenue. As l'homme de Dieu, le serviteur, qu'il utilise devant son peuple, il dit voilà ce que vous allez faire. Donc il y a toujours un plan. Toujours un plan avant chaque combat. Et le terrain n'a pas changé. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait avec lui. Devant chaque situation, il dit voici le plan. Appliquez le plan seulement. Et nous appliquons le plan. Et il y a la victoire. Moi je veux avoir part dans cette mission. Ils ont envoyé leur argent. Bien aimé, c'est grand. Ça là, celui qui a fait ça, ceux qui ont fait ça, leurs noms sont dans le livre de souvenirs. L'action, le geste, le cœur de faire, bien aimé, investissez dans l'œuvre de Dieu. Investissez dans l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas partis. Mais devant les terres des armées, c'est tout ils sont partis avec eux. Est-ce que vous suivez? Ils n'ont pas de temps dans tout ce qui est fait là-bas. C'est pour ça que le Saint-Esprit n'a pas prévu. Je dis tout ça maintenant. Mais le Saint-Esprit a mis dans leur bouche. Je le dis. Oui, vous voyez les trois qui sont partis. Et vous dites, oui, ils sont partis, ils sont revenus. Mais il y en a qui sont ici, qui sont aussi partis en esprit. Tu acclames Jésus pour la vie. Nous
manifesté la joie. Nous avons vu le feu monter encore. Quand je suis venu ici ce matin, j'ai dit que le Seigneur a augmenté encore le volume. Nous sommes rassurés. Ce n'est que la présence du Seigneur qui nous rassure. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, vraiment nous sommes perdus. Nous sommes foutus d'avance. C'est pour ça que nous arrivons à un milieu. Exactement comme le portable fait. Tout portable téléphonique qui est éteint. Quand tu l'allumes là, il faut bien regarder. La première chose qu'il fait là, il recherche le réseau. Carte rapidement. C'est de la même manière que tout enfant de Dieu, quand on arrive à un milieu là, quand on va chercher le réseau, c'est le Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit, voilà, gloire à Jésus. Nous avons vu que le Seigneur a augmenté le volume qu'on s'est venu ce matin. Et nous glorifions son nom. Nous lui disons gloire, honneur, majesté. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur nous a démontré encore son amour. Et dans nos bouches, en mission, il nous a fait que petit d'amour. Le Seigneur nous a montré une autre dimension de son amour. Et tout à l'heure, dans le moment d'adoration, il nous a encore dû nous faire montrer encore ce grand amour. Qui sommes-nous pour que le grand Dieu prenne soin de nous comme ça? Je rappelle de mon passé. Je ne mérite pas que de Jésus-Christ. Fasse attention à moi. Mais aujourd'hui, fais attention. Là-bas, en mission, bien aimé, nous sommes comme des étoiles. Alors, nous ne touche pas. On ne nous touche pas. On ne nous touche pas. Le Seigneur veille sur nous. Veille sur nous dans le moindre détail. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Et nous sommes devenus des intouchables. Des intouchables. Quand je vois le Seigneur vraiment faire certaines choses là-bas, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Le Seigneur a démontré son grand amour. Et toi-même qui nous suis en ce moment, il faut arrêter de plaindre. Le Seigneur t'aime, Jésus-Christ. Tu ne sais pas tout ce qui s'est passé cette nuit. Quand tu t'es réveillé ce matin, tu ne sais pas tous les combats qui se sont passés. Et Jésus-Christ a réveillé et son matin. Mais toi, tu ne vois que ce que tu ne demandes de plus. Et que tu ne vois pas ça encore accompli. Tu regardes ça là pour dire que Jésus malheureux. Il faut te répandre. Toi, tu me. Jésus-Christ. Bien sûr, non. Quand on saute là, je vais te dire le secret. Quand on saute là, on se rappelle de là où on était. Jésus nous a délivré. C'est pourquoi on saute dans le temps. Quand je me rappelle de ça, j'ai envie de danser pour que tout le monde. Parce que je me vois, j'ai un péché pour que tout le monde. Donc je suis celui qui va plus danser. C'est pourquoi on dit danser pour Jésus. Je peux me cacher, c'est pas compliqué. Je peux vous traîner par terre. Je ne sais pas. Qui te donne de l'argent, c'est ça? L'argent. Les païens aussi ont de l'argent. Si toi, tu attends l'argent, change-le pour danser. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Les païens ont d'argent. Ou bien tu attends quoi? Que Jésus te donne l'argent d'abord. Les païens ont de l'argent. Ça veut dire que tu es malheureux. Il a dit.
que ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Eh bien, tu m'as pensé, toi, où est-ce que tu n'as dit de nous, Yahoo? Vous n'avez même pas besoin de penser à ça. Yahoo, mais moi, je me dis, mais il y a des soucis pour le million de temps, tu vois. Viens, ne pense même pas à ta situation. Non, viens, on va garder des soucis pour le million de temps. Tu t'en fous, Jésus. Le bon, nous, on a des soucis. Ouais, tu vois. Amen. Je ne comprends pas. Mais moi, c'est comme. Si tu es malheureux, ça veut dire que toi, tu ne passes pas ici. Ah, n'est-ce pas, j'aime bien toi là. Parce que ici, il y a acheté. Qui a acheté ici aussi? Ah, mais oh, il y a acheté esclave du méchant. Esclave du dangereux. Esclave de l'homme unique. Esclave de celui qui ne connaît pas pitié. Esclave de celui qui ne connaît pas miséricorde. Et tu ne peux pas le payer. Ce qui est clair, que tu ne peux pas le payer. Les écritures disent qu'il ne peut pas racheter leurs âmes. Parce que le rachat de leurs âmes coûte cher. Tu ne peux pas. Maintenant, Jésus est venu. Il a donné. Il a racheté. Il a racheté. Donc tu as quitté. La domination. La domination de dangereux. De celui qui ne connaît pas pitié. Tu es venu vers le Père. Le Père-Saint. Le Dieu d'amour. Le Dieu miséricordieux. Riche en beauté. Le Dieu miséricordieux. Le Dieu de Nazareth. Le Dieu qui va encore malheureux. Malheureux là. Dépose ton sac de malheureux ici. Dépose ça. Quand tu fais comme ça, tu es en train de faire plaisir à l'ennemi. Elle dit au moins elle là. Elle est encore dans le monde. Au moins, regardez. Il y a un hirote là. Il est encore. C'est comme là. J'ai vu une image une fois. Mais quoi, non, c'est le ténèbre qui m'a fait sourire. Je l'ai jamais oublié. C'est un grand âne. Un grand âne. Quand tu le voyais à la force. Et il a la corde au bout. Et on l'a attaché à une chaise plastique comme ça, une chaise plastique. Et il est là. Et il est là. Toi qui viens ici, oh oui, quelle va bien? Tu chantes, elle danse, oh oui, tu es comme l'âme là. Elle est à peine à te dire, tu es comme l'âme. Elle s'attend dit. Regardez, elle croit que moi, on l'a encore lié. Non, lui là, au moins elle là. On va briller un peu. On va se moquer un peu de regardez. Il y a délivré. Il y a surtout qu'elle voit. Mais elle a encore malheureuse. Non, puis on a trop de ce que le Seigneur fait pour nous, c'est grand, c'est immense. Son amour est grand. Et nous avons vu encore plusieurs facettes de cet amour. Donc, nous sommes allés en mission. Le Seigneur a démontré encore son amour d'une autre manière. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Et à tout moment, quand on dit Jésus, là, quand tu entends le nom de Jésus, c'est la fête. Il faut laisser ton affaire. Il dit, hein, c'est Jésus l'a dit. Je laisse mon affaire. Je vais aller pour Jésus. Amen. Acclame pour Jésus. Parce que Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur.
Ce qu'il va faire là, sa jouissance, c'est éternel. Donc ça veut dire que, à tout moment, je vais entendre son nom. Je vais sauter de joie. C'est mon le roi des rois, il fait toutes choses en perfection. Et donc ça me dit que quand le loup, il veut que ce soit parfait. Quand on l'adore, il veut que ce soit parfait. Maintenant, celui qui l'adore, ou celui qui le loue, a un problème. Et ça l'empêche de bien adorer le roi des rois. Il n'a pas besoin de prier de Dieu du roi des rois. Il fait ceci pour moi. Il celui qui commence à danser. Amen. Parce que Jésus-Christ est amen. Elle a prié son nom. Jésus-Christ est Dieu. Et nous retrouvons cela. Le Seigneur dit dans le livre des apôtres, à 15, on va aller rapidement. À 15, verset 4. À 15, verset 4. Et donc, voilà Jésus. Oui, le temps. À 15, verset 4. À 15, verset 4. Acte chapitre 15, verset 4. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Arrivé à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. C'est ça que nous sommes en train de faire en ce moment. Quand nous avons été recommandés dans la vie du Seigneur par l'Église, nous sommes revenus. Et maintenant, c'est le moment de rendre compte. Et c'est ça que nous sommes en train de faire en ce moment. C'est pour vous dire que nous sommes dans la volonté de Dieu, tel que le Seigneur nous l'a recommandé. Le Seigneur a décrété le culte. Dans le vent gloire, pour les bébés qu'il a faites. Quand nous étions en mission. Et si je suis devant vous, c'est juste pour compléter ce que les autres serviteurs ont déjà dit. Et l'ancien a déjà dit beaucoup de choses, gloire à Jésus. L'ancien a dit beaucoup de choses. Je vais juste compléter quelques-unes. Concernant toujours les combats dont nous avons été objets sur le terrain, et le Seigneur nous a donné la victoire, tout à l'heure, l'ancien a parlé du combat de la guerre. Il faut dire que quand nous venons dans une localité, monsieur Tessou nous dit voilà, ici là, c'était chaud ici. Voilà. Dit ce qu'il a fait. Quand nous sommes venus à Dégré, le Saint-Esprit nous dit, c'est ici le grand combat. C'est ici le grand combat. Et effectivement, c'est là le grand combat. Nous avons vu que c'est là où le grand combat est lieu. Et tout à l'heure, quand je suivais le président du culte, le prophète Samuel, qui était en train d'énumérer la suprématie de notre Seigneur Jésus sur toute la création, il nous a accordé ce pouvoir sur la pluie, le vent, tout ça. J'ai compris que le Seigneur est en train d'annoncer déjà ce que nous devons nous dire, c'est-à-dire que le Seigneur nous a démontré que
qui n'a pas changé, qui a toujours la suprématie. La parole de Dieu dit dans le psaume 24, verset 1, que l'Éternel appartient à la terre. Donc ça veut dire que le vent, la tempête, la pluie, tout ça, ça appartient à l'Éternel. Mais entre temps, par le péché, l'ennemi, l'ennemi s'est vu avoir un droit ou une domination sur ces choses. Et ces agents qui sont en train de l'adorer, que ce soit les sorciers, les satanistes et autres, ils leur accordent cela et ils peuvent manipuler le vent, ils peuvent manipuler la pluie. Mais il s'est fait que il y a des enfants qui sont les enfants de propriété de les enfants du propriétaire. Tu es un enfant du propriétaire. On commence par manipuler la vie. Les enfants du propriétaire sont là. Le propriétaire de la pluie. Le propriétaire du vent. Comment ça va manipuler le vent contre les propriétaires du vent? C'est pas possible. Donc nous avons vu à la première séance. Comment quand dès que la séance a commencé, la séance d'enseignement de prière, donc, comment ils ont soulevé le vent. Et tu vas voir, si tu regardes le ciel, tu vas voir la lune tranquille. Tu ne vas même pas voir les nuages en train de bouger. Non. Ah, oh. Mais c'est juste au-dessus de nous ici. Bon, les miens, t'as bien quoi? Que le mouvement se fait. Les bandits sont montés au-dessus de nous. Ils ont commencé par manipuler le vent. Yo, là, y'a chaka le ti. Ils ont commencé à manipuler le vent. Ils ont manipulé le vent. Et nous avons forcé dans le combat. Ils ont échoué le deuxième. Ils ont échoué. Aucun. Le deuxième jour, ils sont revenus en force. Et comme l'ancien l'a dit tout à l'heure, nous avons notre bien-aimé, la soeur, oui. La soeur intercesseuse. Voilà, elle est en service là-bas. Elle est dorme la pima. Donc quand elle a appris tout ça, elle est venue. Elle a passé tous les jours avec nous. Donc quand la séance a commencé, en même temps, ils ont ça commencé à force. Et même le peuple était inquiet. Rapidement, ils ont coupé le courant. Et là, tout la prospérité partout. Nous allons continuer. Avec les chansons de guerre. Les chansons qui vont descendre les sangs de guerre. Dis à ma fille qui est guérie là-bas. Dis-lui de prier. Dis-lui de prier, c'était la soeur. Et j'ai regardé tout de moi. Et comment lui envoyer le message? Il n'y avait aucun serviteur à côté de moi. Et la chose a monté, la tension montait. La tension montait, la pluie allait tomber. Viens, si tu n'as pas la foi, tu m'as dit vraiment, Dieu est vaincu. Aujourd'hui, là, alors, c'est fini. Ça montait. Ça montait. Le Seigneur dit, dis-lui de prier. Parce que le Seigneur l'a quitté. Elle va pour toi, et je cherchais le moyen pour lui parler. Mais je ne trouvais pas de moyen. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé derrière. J'avais le micro en main. Je chantais. J'avais le peuple à chanter, à chanter. Et en même temps, je suis allé derrière. J'ai fait comme ça. Ça n'a pas fait. Elle s'est fait 2 minutes. Elle a commencé à prier. Ça s'est calmé. Nous allons commencer par chanter victoire, victoire.
Le but, jamais. Quand on a commencé à chanter victoire, dis-le. La nuit est venue en même temps. Vraiment, le Seigneur est formidable. J'ai regardé le monde des ténèbres. J'ai dit, voilà. Fais pitié. C'est une soeur qui a prié. Une soeur. Non, le capet de toi. Vous tous, là-bas. Et tu te l'avances. Nous avons le pouvoir de parler au vent. Dans un milieu couvert, dans une salle. Donc on ne s'entend pas menacer par la pluie. C'est pourquoi ils ont pu faire ça. Parce qu'ils ont dit que la pluie ne va pas nous tomber. Donc on n'a pas prié. Moi je n'avais pas pensé à ça. C'est seulement. Donc si on avait prié là, il ne peut pas avoir prié. Pourquoi? Quand il était lui-même. Quand nous sommes allés. Quand nous sommes allés à Tapame. Le Atapame. On a eu seulement un jour d'évangélisation. Une seule séance. On est allé dans le marché de Atapame. Je sais pas lui le marché, mais on appelle le marché. Le marché de Atapame. Le marché assié. Voilà. Et on est allé là. Oui. On est plus 18h comme ça. La pluie a commencé à menacer. Ça a commencé à menacer. Et même les vendeurs, les vendeuses, ils sont pressés pour rentrer. Oh, le caca va dire. Et dans la foulée, on était en train d'aborder les âmes. Et il y a mis j'ai vu deux seuls qui étaient venus au marché. Et elle a fini de l'acheter. Oh, elle était pressée. Donc quand je les ai abordés, et elles ont dit. Non, la pluie, j'ai dit, il ne peut pas avoir plus. Parce que celui qui l'a créé là est en train de faire l'opération ici. Il n'y a pas de plus. Donc c'est ça, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, là, vous le proclamez, ça marche. Ça marche bien aimé. Il faut que votre foi soit solide. Il faut que votre foi augmente. Le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. C'est selon ta foi que cela va arriver. Si mon ami réussit quelque chose sur toi, c'est même pas que Jésus-Christ est. Jésus-Christ, sa puissance n'est plus là. C'est parce que toi, tu as manqué de foi. Donc il faut utiliser ta foi. Nous avons vu à quel comment le Seigneur les a terrassés. Et tout compte fait, à la fin des faits, comme on le dit, le Seigneur a révélé à un des cinq anneaux ceci. Quand la personne va raconter la révélation, j'ai vu vraiment. La personne dit que le Seigneur lui a montré. Que elle a vu quelqu'un qui est comme un roi. Et on l'a mis sur quelque chose comme brancard. Et il y a beaucoup de personnes derrière. C'est comme un peuple, tout un peuple. Et chacun avait ses bagages. Et ils étaient en train de sortir de la dégré, de sortir. Depuis des centaines d'années.
Et ils ont lié les âmes. Et ils ont dit, ici c'est notre terroir. C'est pour ça que quand toi tu viens avec Jésus, même quand tu ne dis rien, ils vont te combattre. Parce qu'ils savent que le nom que tu as appelé là, ce sont les menaces. Maintenant voici que ce nom là, c'est le nom redoutable, c'est le nom du créateur. Donc quand le créateur descend, je veux reprendre ce qui est à moi. Ce qui est à moi, je veux reprendre. Les âmes que tu vas voler là, je veux les reprendre. Quand le créateur dit ça, est-ce qu'il peut avoir deux capitaines dans le même bateau? Et ils sont partis avec des séquelles. Et pour le roi est sur brancard. On le prend comme ça. Il a reçu des coups. Est-ce que tu peux appeler les coups? Comment le monde des ténèbres a sa domination même sur les autorités, tout ça. Où il y a interdiction partout. À tout moment, vous dites Jésus, Jésus, le monde de ma voix. C'est un problème. Ça, c'est un problème déjà. Parce que Allah a mis son trône là-bas. Et le trône de Allah a été menacé. Mais finalement, le trône n'a pas a été menacé. Le trône de Allah a été renversé. Il faut autorisation. Le deuxième serviteur de Dieu qui est là-bas, il est allé chercher l'autorisation de la famille. On a fait porte à porte. On est rentré dans la police, on est rentré dans la bourse. On est allé de cour en cour. De propriété en propriété. Et ce que nous avons noté aussi, là où le combat était énorme, là, c'est là que Jésus-Christ a gagné en plus. Donc ça veut dire que plus le combat monte, plus la victoire est levée. Sache que Jésus-Christ veut recevoir une grande victoire. Quand nous avons fini avec eux, où le combat est levé, très élevé, nous avons fini que beaucoup d'amour ont été gagnés là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ça? Ils ont pu se taire. Et peut-être on va gagner plus de peu, un peu d'âme seulement, ils vont pas rentrer chez nous. Ils ont créé des problèmes à eux-mêmes. Et on a gagné encore plus d'âme. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Dieu ne doute jamais de ce Dieu. Ne doute jamais de Jésus. Si tu n'as pas encore la révélation qu'il est Dieu, mais toi je le dis Seigneur Jésus. Résume-toi à moi. Parce que Jésus est Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, on ne va pas revenir ici. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? On va revenir. C'est fini. C'est parce que Jésus est Dieu. C'est parce que Jésus est Dieu. Malgré tout ce que nous avons dit là, on est revenu. C'est parce que Jésus est Dieu. Que à tout moment, nous renversons les trônes par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu. Nous renversons les dominations, nous renversons les autorités qui sont là-bas. Nous rentrons encore à la maison. Saint et sauf. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Donc, bien-aimé, accroche-toi à ce Dieu. Là-bas, en mission, nous avons vu beaucoup de choses.
Le combat est donc comme nous avons dit. Le Seigneur a développé beaucoup. Comme le serviteur de Dieu vient de dire, la sorcellerie vraiment a encadré complètement les régions là-bas. Les petits enfants sont dedans. Le Seigneur en a délivré. Le Seigneur en a délivré. Le Seigneur en a délivré de la sorcellerie. Le Seigneur en a délivré de la sorcellerie. Complètement. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Accrochez-vous à Jésus. Accrochez-vous à Jésus. Jésus est le Dieu. Nous avons vu un phénomène là-bas qui a attiré notre attention. Il y a un soi-disant serviteur de Dieu qui est célèbre ici au Togo, qui met des étiquettes sur les âmes. Quand on a son chiot là, on met quelque chose, une bandoule pour dire voilà, c'est mon chiot. Et ce chien, ce petit chien, c'est mon chien. C'est comme ça lui fait. Il met des étiquettes sur les âmes. Et vous allez les voir. Nous avons vu ça un peu partout. Hein. Nous avons vu ça à Sokolé, à Djembe, nous avons vu ça aussi à Tapamé. Vous allez les voir, ils ont. Le bracelet. Et le nom est écrit. Et quoi les dit? C'est malheureux. Ah, en plein nuit. C'est malheureux. Oh, en plein nuit. Et des gens sont dedans. Il y a mon lait. En ignorance. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est un commerce, c'est un business. Elle a si chalaï au lien. Lui, il vend les âmes. Elle est salue bon. Pour les remettre là-bas. Maintenant, quoi y a qui m'a fait? Et il met les étiquettes. Dans le spirituel, c'est ça. Et vous les voyez, celle que nous avons rencontrée à Dégré, elle a dit, hein, moi là, mon papa là, c'est un personnage, elle a donné son nom. Je suis fille de Dieu. Elle n'a pas dit, je suis fille de Jésus. Elle a dit, je suis fille de Dieu. Elle a donné le nom du serviteur. Du soi-disant serviteur de Dieu. Elle est enfant. Elle est enfant. Elle est fille, sa fille. Est-ce que vous voyez? Mais ce que le Seigneur nous a dit à cœur, nous leur avons dit. La soeur que nous avons rencontrée au marché, finalement, elle a enlevé ça. Elle est noire. Et nous avons détruit. Ce serviteur, ce soi-disant serviteur de Dieu a volé beaucoup d'âmes ici au Togo. Et chaque fois, si vous rencontrez les bien-aimés qui ont ces choses-là, s'il faut leur demander pardon, dites pardon, il faut enlever. Pardon, il faut enlever. Nous avons vu ça aussi là où nous sommes logés. Oh, le frère, il est gravement malade. Et nous avons été alertés. Ce sont nos voisins, nous sommes allés là-bas. Quand nous sommes allés là-bas, nous avons vu ça. Il avait ça au poignet. On a dit non. Non, on ne peut pas dire au nom de Jésus même. Avant qu'il enlève ça là, il faut qu'il enlève ça. Et son père s'est levé. Il a dit non, quand vous revenez. Et la maman dit non, pourquoi tu parce qu'ils ont déjà tout fait. Elle a beau voir le ciel. Le bracelet là, c'est là qu'ils ont quitté. Là où on prend le bracelet là, ils ont déjà resté là-bas pendant des jours. Et la porte n'a pas été délivrée. Donc quand le père a dit, pourquoi vous allez attaquer le bracelet là? Elle a un peu de sagesse. C'est là-bas qu'on a quitté. Si le Brésilien faisait quelque chose, l'autre monde serait délivré. C'est comme un simple nom. Finalement, il a enlevé. Et nous avons prié pour lui. Donc, vraiment, ces choses, nous avons vu ça avec beaucoup de déception sur les âmes. C'est les âmes de Jésus. Qu'un individu met ses étiquettes. Quand vous voyez, vous allez, que si vous êtes dans la chair, vous n'êtes pas là, dit non, c'est attention. Attention, c'est une âme qui est liée, qui a comme le chiot, qui a le nom de son maître. Au coup, c'est comme ça.
C'est comme ça. Donc quand on vit ça là-bas, ça a attiré beaucoup notre attention. Donc si vous voyez, je sais que vous voyez beaucoup, il faut leur parler. Ça c'est de l'esclavage, c'est de l'idolâtrie. Ils vont se voir dans l'enfer direct. Il crie Jésus seulement. Il crie la tort à Jésus. Donc voilà des choses qui sont contre l'évangélisation ici au Togo, qui sont contre le réveil. Et en tant qu'ambassadeur que nous sommes, nous devons nous lever contre ces choses. Il faut que les armes de Jésus soient libérées. L'ennemi, il est rusé. Il fait les choses simplement. Vous allez voir les effets de tout. Mais attention. Voilà. Sokolé. Par ailleurs, nous avons vu un cas. Un petit sorcier. Qui a voulu nous défier. Mais en réalité, c'est pas nous, c'est Jésus qui a voulu défier. Il a voulu défier Jésus. Et quand la séance, les activités ont commencé à se brûler, déjà dès le premier jour, nous l'avons remarqué parce qu'il était devant. Avec un petit pouvoir là. Et il croit que il peut faire quelque chose. Donc il se met devant. Donc le premier jour, nous étions en prière. Quand nous avons constaté que l'esprit était en train de se manifester en lui, et nous avons commencé à prier pour lui, et ça ne donnait rien, on s'est arrêté. On ne savait pas que lui-même était en train de se combattre, de combattre même la prière. Mais en comme ça, pendant ces genres d'événements, et le deuxième jour, il est encore venu. Et la prière est encore. L'esprit s'est manifesté. Et cette fois-ci, nous avons prié en enfant. Prié en enfant. Et l'esprit s'est apposé à ce moment. Il faisait tous les efforts. Pour éviter qu'il ne soit dévoilé. Mais la puissance de Dieu étant plus forte. Finalement, l'esprit a été clairement exposé. On a continué à prier pour d'autres personnes. Et c'est là les frères d'autres serviteurs sont venus. On leur a fait ils ont continué. Ils ont insisté. Et finalement, il est allé à terre. Quand il est allé à la terre, il a commencé à crier. Et la chose qu'il disait, si tu le suis très bien, tu vas croire que c'est une délivrance ordinaire. Mais en réalité, quand nous avons continué, nous avons compris que en réalité, c'est un sorcier. C'est un sorcier, c'est un adolescent. Il doit avoir dans les 20 ans comme ça. Et il a commencé par. En tout cas, il refusait qu'on prie pour lui. Mais il ne le disait pas ouvertement. Donc, à un moment donné, le combat est rentré dans la chair. Et il a commencé par se battre contre les bénévoles qui. Et nous avons dit bon, ça là. Laissez-le. Et criait. Appelez mon père. Voici son numéro. Après mon père. On est allé l'enfermer. Dans la salle de la cellule. Et le bien-aimé avec lequel on l'a mis là. Ça n'a pas été facile pour le bien-aimé. Il y a des combats. Qui nous ont mis des combats du Saint-Esprit. Parce que c'est de la chair. C'est de la chair. On a mis ça avec les moyens Chanel aussi. Donc on a dit, bon, on a fait. Nous là, on ne va pas perdre notre temps. Donc nous on a continué. La séance normalement s'est bien réveillée. La veille, ça s'est bien passé. On était fatigués, on voulait rentrer à la maison. Quand un des serviteurs veut nous voir. Et nous a dit. Voilà, le serviteur de Dieu, s'il vous plaît. Il faut l'écouter encore au moins un peu. Lui, il avait encore un peu de miséricorde pour lui. Il y a un complet On a
Paradis. Bon, il insistait. Elle était connue. Paradis, d'accord. Il faut l'appeler. Il avait assez minuit. Et voilà, on ne va pas l'écouter. Et il nous tue. Nous l'avons dit, mon frère. Tu as la sorcellerie. C'est quoi ça, t'es? Et Jésus va te dire. Il est sur la tchouka. Et là, on se va tourner autour. Et autant. Et il dit. Donc, c'est sa tante qu'il a voulu avec sa tante. Mais, et que sa tante fait tuer tout le monde de la famille. Et nous lui avons dit, comment est-ce que tu as vu ce que tu as trouvé? Et oui, bien, il dit, moi je n'ai pas la prévoyance. Hein. Ah, on a dit, ah, hein? Donc tu connais la prévoyance. Ouais, donc, vraiment, donc tu as incité déjà la chose. Et c'est là il dit bon, que en fait lui que en fait lui donc il ne veut pas laisser ça là que qu'il est en combat avec sa tante que sa tante veut tuer maintenant sa soeur. En réalité sa tante et lui se connaissent très bien dans le monde de la sorcellerie. Et ils ont ensemble, ils ont toujours tué. Mais quand il s'est agi maintenant de venir au niveau de sa soeur, c'est là où il a dit non. Maintenant il ne veut pas laisser la sorcellerie. Parce que lui croit que s'il laisse la sorcellerie, il va être vaincu. Bon, nous avons dit ce que nous voulons le dire. Maintenant, malgré ça, il dit qu'il va aller aux eaux du baptême. Ça là, il faut laisser ça là. Oublie ça là. Quelle eau du baptême? L'eau du baptême, c'est pas pour toi. C'est pas pour les gens comme toi. Non, on ne veut pas baptiser un agent de Satan. Pour le baptiser à moi, il faut te repentir d'abord. Donc, c'est comme ça qu'on l'a laissé. Et quelques heures après, on est allé aux eaux du baptême. Il a assisté, il était venu avec les autres. Mais il n'est pas rentré dans l'eau. Nous avons insisté qu'il ne vient pas dormir. Donc, c'est comme ça, ça s'est terminé comme ça. Donc, voilà des hommes, des humains à qui le Seigneur donne encore l'opportunité de se repentir. Mais il décide de dire non, de continuer à servir l'ennemi. Lui, il était venu croyant qu'avec sa sorcellerie, il pouvait faire quelque chose contre la science. Avec sa sorcellerie, il pouvait tromper. Parce que quand on a commencé à prier pour lui, il disait des choses pour nous tromper. Mais le Saint-Esprit l'a dévoilé. Donc ces genre de personnes les voient. Le Seigneur a voulu que nous vous les racontons pour que vraiment vous compreniez les choses qui se passent. On en a vu aussi le serviteur de Dieu, l'ancien Dieu le dit, à la Jengré, où une est venue clairement aussi. Et pendant le combat, quand le feu ça chauffait, on était en train de diriger la scène de prière. Quand la personne, la même regarde comme ça, comme les adorateurs, quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qu'on a soupé avant de faire. Est-ce que vous imaginez la réaction que les gens perçoivent? Donc moi je ne savais pas. Quelqu'un vient de faire quelque chose. Mais quand nos yeux se sont croisés, elle a eu la réaction. Donc c'est comme ça que tu as ici. Et elle a commencé à fouiller, pouvait faire un semblant. Fouiller dans ses pailles de faire quelque chose. Et là, j'ai commencé à avoir mon regard sur Joël. Et je l'observais. À la fin de la séance, je l'ai oublié. Bon, j'avais espéré que quelqu'un vienne encore la deuxième séance. Elle n'était pas là. Si elle était là, nous allons l'aider à quitter la sorcellerie. C'est avant Jésus. Il y a quelque chose de formidable aussi qui est arrivé à Adéry. Pendant la prédication, une soeur coiffeuse s'est dépouillée pendant la prédication. Une coiffeuse, elle l'a dépouillée. Nous avons plus les images, c'est tellement que vous avez vu. Mais là, quoi, il y a quoi, elle a enlevé pour te rien, le chèque. Gabi de Kola.
Et quand elle a tout enlevé, sur le champ, le Seigneur l'a délivré. Quand elle a enlevé, nous avons commencé par observer le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit a fait. Le Saint-Esprit va faire. Et on était pas loin, on était juste après le temps. Il faut que le chien soit dans le temps d'abord. Si le chien dans le temps, les Seigneurs vont venir. Donc les Seigneurs étaient pas très loin. Et observer le chef, si le chef va dans le top, et nous avons vu le chef dans le top, et l'esprit a commencé à manifester en même. Et voilà, nous avons prié pour les poèmes. Le Seigneur l'a délivré. Elle était en joie. Et le second joueur était là. Seulement que comment laisser ce boulot, c'est ça, c'est le souci à son niveau. Jusqu'à ce que nous on quitte à Djégué. Voilà la situation par rapport à ça. Et toi qui prie, toi à qui le Seigneur a donné la mission de prier pour les enfants, là tu pries pour ses soeurs. Que le Saint-Esprit la convainc qu'elle abandonne ce métier. Parce qu'elle a dit si elle abandonne, qu'est-ce qu'elle va manger? Elle est déjà convaincue du message. Elle est déjà convaincue. Maintenant, comment laisser ce boulot? C'est ça la difficulté. Donc voilà ce que le Saint-Esprit peut faire. Comment quelqu'un qui est venu, voilà au début même de la prédication, c'était l'ancien qui était en train de prêcher. Et on était en train de faire le tour. Quand on a vu qu'elle, elle se révoltait contre la parole. Non! Non, non, c'est pas ça. Dieu n'a pas dit ça. Oui, maman me plaît. Dieu n'a pas dit ça. Maman me plaît. Dieu n'a pas dit ça. Elle avait sa Bible. Elle l'a dit par ainsi. Dieu n'a pas dit ça. Maman me plaît. Dieu n'a pas dit. Elle n'a pas porté pour toi. Maman me plaît. Elle disait ça. Elle est plaît. Pendant la prédication. Et moi, et tout doucement. Le Saint-Esprit a commencé par la toucher. Elle a enlevé. La place où elle a dit, Dieu n'a pas dit ça. C'est à cette place là. Donc quand vous évangélisez, croyez que le Saint-Esprit va agir. Croyez que le Saint-Esprit va agir. Ça là, l'homme ne peut pas le faire. Comment est-ce que tu peux convaincre quelqu'un qui est venu là, qui n'a pas fait le programme dans le vide quelque chose, et qui a convaincu que ce qu'elle sait là, c'est ça. Et même pendant que le message sortait, elle se révoltait sur eux. Le message. Comment est-ce qu'on peut penser que cette personne, que avant la fin, que cette personne va dire oh la main, j'ai laissé à faire, j'ai enlevé, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc ça fait partie des miracles. Ça s'est bien passé, malgré tous les combats, malgré toutes les interdictions, ça s'est bien passé. Et Akara aussi, Akara, la mission avait une autre portée, puisque Akara avait déjà reçu le feu. Voilà, le Seigneur nous envoie là-bas pour une réorganisation et aussi pour que toutes soit taillé. Et c'est ce que nous avons fait par l'aide du Saint-Esprit. Déjà avant d'aller à Kara, déjà à Djengré, le Saint-Esprit nous a monté dans une vision la situation de Kara. La situation de Kara. Et quand nous sommes descendus, nous avons vu effectivement les choses telles. Et il y avait déjà des désordres dans la cellule. Mais avant de quitter, le Saint-Esprit a rétabli les choses. Et le Saint-Esprit a pris totalement règne encore dans cette cellule, la cellule de Kara. Donc on acclame Jésus. Yeah.
Nous sommes allés aussi aux eaux du baptême là-bas, où des âmes ont été baptisées dans le nom du Seigneur Jésus. Et après ça, nous avons quitté Kala pour le chemin de Lomé, mais avec un escale à Atapame, le niveau Atapame ne serait pas encore favorable pour. Ce n'est pas encore favorable pour le genre de mission que nous avons fait dans les autres cellules. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a instruit à évangéliser seulement là-bas. Donc ce qui a été fait, nous avons évangélisé et le lendemain matin, nous avons rendu le culte dit du roi des rois à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons pris le chemin déjà aux environs de 13 heures comme ça. Et le Seigneur nous a amené sain et sauf à la maison. Le Seigneur Dieu a dit, il a dit à son Seigneur, à son chef d'état-major, comptez, comptez-vous voir. Et ils ont compté. Et ils ont dit, comptez-nous. Nous avons compté. Et nous tous nous sommes revenus. Quand on me l'a rappelé, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Si tu as un parent encore en vie, tu n'as pas encore reçu Jésus, il faut que tu reçois cette grâce. Quand je vais finir de parler, il faut que tu reçois cette grâce en acclamant fortement Jésus. Voilà, gloire à Jésus. Quand nous sommes allés à Kara, aux eaux du baptême, voilà, il y a un bien-aimé qui est au milieu de nous ici. Et entre temps, il était allé au village. Et il a prêché l'évangile à sa mère. Et sa mère a accepté. Et la mère a confessé le nom de Jésus. Et quand nous sommes allés à Kara, voilà, ils ont amené la mère. Et la mère a été baptisée. Avoir, c'est de ne pas avoir
les yeux sur des instruments qui ont été utilisés en mission est revenu. Les instruments n'ont rien fait. Regardez pour regarder vos yeux sur Jésus-Christ de Nazareth. Si toi aussi, si tu te disposes, le Seigneur Jésus va t'utiliser puissamment. Mieux que ça même. Donc il faut avoir des bons regards sur Jésus-Christ. Il ne faut pas regarder des serviteurs de Dieu. Et dit voilà des victorieux. Quel victorieux? Quand nous avons fini de parler, on va dormir la nuit. Vous voyez donc, ayez vos regards sur Jésus. Les hommes n'ont rien fait. Les hommes ne sont que des instruments. Et Jésus-Christ n'a pas changé. Il a dit ici, pour ceux qui ont bien suivi, le jour, le dernier jour, le dernier culte qu'on a fait ici avant notre cas, le Seigneur a dit, vous aurez les mêmes privilèges que ceux qui ont marché avec moi sont dans la Bible. Voilà. Donc ça veut dire que les missionnaires ont tous vraiment le privilège et grâce. Voilà, voilà, d'être protégés, d'être utilisés comme ça pour la gloire de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel. Il n'a pas changé. C'est comme ça. Il a toujours fonctionné comme ça. Ces instruments qui sont disponibles, ils les utilisent puissamment et rien de mal ne leur arrive. Rien de mal de leur arrive. Quand ils sont allés, ils reviennent toujours comme ça. Toi qui es là, et peut-être prochainement ce sera ton tour. Le Seigneur va t'envoyer. Voilà, quelque part, sois confiant. Quel que soit ce que les gens disent. Ah, on ne va pas là-bas, hein. Ah, quand on va là-bas. Quand on va là-bas. Ah, on ne revient pas, hein. Faut même pas écouter. Faut regarder seulement Jésus-Christ. Si c'est Jésus qui t'a envoyé, sois confiant. Tu vas aller en paix, revenir en paix. Donc, gardez votre foi sur Jésus-Christ de Nazareth. Gardez votre foi sur l'Éternel des armées. Le Seigneur est fidèle. Il est toujours dans sa parole. Tout ce qu'il dit là, il le fait toujours. Donc quand tu es envoyé, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole quand il est envoyé? Il faut savoir que ce sont ces choses sur lesquelles il va marcher avec toi. Et il faut que tu sois soumis. Si le Seigneur te dit, assieds-toi, faut t'asseoir. Si le Seigneur dit, lève-toi, faut te lever. C'est ça. C'est ce que nous avons fait. Si le Seigneur te dit, assieds-vous, faut s'asseoir. Il y a beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas tout dire. Ils ont envoyé des insectes. Voilà. Ils ont envoyé des scorpions. Ils ont envoyé insectes. Ils ont envoyé scorpions. Scorpion est rentré dans nos chambres, c'est pas lui. Et c'est venu rester là où on dort. Là où on va se bouger là, c'est là. C'est là il a fallu rester. Ils ont fait tout ça. Et lui nous a piqué. Insectes qu'ils ont envoyé. Je sais pas pour faire quoi à l'œil. Scorpion qu'ils ont envoyé. Scorpion a été tué. Donc, bien aimé, ayez foi en Jésus. Restez accrochés à Jésus. Ne doutez jamais de ce Dieu. Même si vous voyez que le vent est en train de souffler fort. Même si tu vois que autour de toi, les choses sont en train de s'écrouler. Tant que tu sais que Jésus est là, faut pas avoir peur. Reste à toi voir. À la dernière minute, tu vas marcher dans le monde. À la dernière minute, tu vas voir. Parfois, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus fait? Il laisse l'ennemi agir. Il dit, fais. Je ne suis pas ton égard. Je ne veux pas faire un combat avec toi. Fais. Et comme le Seigneur Dieu venu le dire, il met une limite. Quel que soit le combat dans ta vie, le Seigneur a mis une limite. Et l'ennemi ne peut pas te traverser. Il ne peut pas traverser.
Quand le vent souffle, tu vas le voir comme ça. C'est tout le monde qui veut tomber. Mais il ne tombe jamais. Qui connaît cette dame? Qui connaît cette dame? Est-ce que vous connaissez dame ici? Je ne connais pas son nom en français. Ça fait comme ça. Tu vas croire que le vent peut fermer le vent comment? Quand le vent termine là, je vous lève. Le Seigneur a été clair. Vous aurez des tribulations. Pourquoi je vais me décourager? Le Seigneur m'a prévenu que je vais la tribulation sur la terre. Mais pourquoi quand tu vas rencontrer les tribulations, tu vas commencer à crier? Alors vous n'allez pas tomber. Je vais faire un cas à Jésus. C'est fini. La vie arrose. Jésus n'a pas dit ça. Il a bien dit que vous aurez des tribulations. Mais sachez que j'ai vécu le monde. Donc le malheur peut venir. Mais l'Éternel va toujours te délivrer. L'Éternel va toujours te délivrer. Le Seigneur est fidèle. Il va toujours te délivrer. Si tu vois quelque chose d'arriver, il faut savoir que le Seigneur a un objectif. À la longue, les jours passent, les semaines passent, les années passent. Quand tu vas regarder là, je crois que c'est quelque chose de mauvais. Mais ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est ça Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, même si les hommes voient ça, disent c'est à toi qui est arrivé. Dans la durée là, ils vont voir que en réalité le Seigneur s'est servi de ça pour régler un problème dans ta vie. Amen là. Alléluia. Il a dit assieds-toi à ma droite et je ferai de tes yeux ton marchepied. Quand tu as pris, pose tes deux personnes, c'est ce que l'on voit.
On pose un pied sur ça. Il nous répond ça. Marche pied. Quelque chose qui n'a pas de valeur. Marche pied. Le sol sur lequel on marche. Marche pied. Apologie. Vous savez, la Bible là. Faut pas attendre le Saint-Esprit en tout dire. Révélation. Regardez quoi. Le révèle pas marcher pied. Marcher pied. Il a déjà accordé la connaissance de l'expliquer dans un livre. Est-ce que comme le dernier amour ou et de lire, marcher pied, ce que ça veut dire. Je veux le dernier livre, mon marcher pied. Amen. Marcher pied. Apologie. Nos ennemis seront sous nos pieds. Voilà, le mot est sorti. Marche-pied, apologie, c'est sous le pied, bien sûr. Et apologie, avec ça, on évolue. Et là, il y a aussi un bien en vie. Avec ça, on se met à l'aise. Et il y a aussi un bien en vie. Avec ça, on se met à l'aise. On évolue. Voilà. C'est donc le Seigneur se sert des situations que l'ennemi provoque. Parfois, puis il fait évoluer parfois. Est-ce que vous comprenez? Quand les situations vont venir, non, Dieu va laisser la situation venir. Parce qu'il sait ce qu'il veut faire de ça. Et toi, tu vas voir. Peut-être que pendant que ça se passe, tu seras dans les pleurs. Et pourquoi ça commence à arriver? Mais les jours souvent suivants, tu regardes ça, tu dis. La quoi? Heureusement que ça va arriver. Voilà. Donc c'est comme ça le Seigneur fait. Donc dans toute situation, il faut savoir que Jésus-Christ est là. Ne jamais se décourager. Ne jamais se décourager. Le Seigneur est fidèle. La fidélité du Seigneur, sa fidélité ne l'a jamais changé. La parole de Dieu dit, moi si nous sommes fidèles, nous sommes fidèles. Parce qu'il ne peut pas renier lui-même. Parce que lui-même, il a fidélité. Il ne peut pas se renier. Donc comptez toujours sur la fidélité. Et aussi n'oubliez pas la repentance. N'oubliez pas la repentance. Voilà les choses. Nous ne pouvons pas tout dire. Mais le peu que nous pouvons vous dire, partagez avec vous. Voilà les choses que le Seigneur a fait avec vous là-bas. Et aussi ici, même si vous ne faites pas le point, nous voyons de nouveaux visages. Et nous voyons que le Seigneur fait le grand jeu de toi. Soyez fortifiés. Et je crois que, comme le Saint-Esprit l'a dit, le culte, c'est destiné à ça. Et l'essentiel est fait. Et dans ça, le début, nous pouvons dire déjà la fin du culte. Gloire à Jésus.